Bonjour frère Maxime, comment nous sommes? C'est GFL Cuisine Créole, Jean Fédon lundi, votre chef à la maison qui entre la caille nous m'a dit nous merci. Merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous et merci pour bouche à l'oreille nous continuer à faire pour moi. Ou même cap sur moi pour la première fois qui tombe sur vidéo ça, ou que moi juste abonner et puis activer petite cloche là pour lorsque moi mettez en ligne pour nous capable connaître parce bien sûr que me venir avec banane nana nous va dire nous pas qu'on habitué manger pour banane. Oui, ou qu'on habitué manger pour banane. Lorsque nous faisons la bouillie de banane en Haïti, c'est comme ça nous fait et puis nous mettons le lundi fait, nous faisons la bouillie avec. Quand y a là, nous mangeons pour banane quand même. Quand a qui ça me fait avec pour nous, nous faisons un gâteau de pour banane. Moi-même, je retire la banane, je vais conserver la banane. Et maintenant, même pour banane, je vais retirer toutes les 5 pour banane et puis je vais venir sur nous. Quand y a là, je finis de retirer. Pour banane, mais pour banane, je vais l'utiliser. Je vais gagner 5 pour banane. Je vais passer dans le blender, je suppose que 2 tasses. Quand je vais couper un petit morceau, je vais déposer dans le blender. Quand je vais le blender. Je vais mettre la couverture sur lui avant que je fasse tout le bagage avant de blender. Je vais mettre le ballon brassé avant. Je vais le monter. Une fois que je vais le monter là, moi mettez pour recette moi besoin, moi mettez demi tasse d'huile là-dedans. Qu'on y a là, on va le brasser encore. Une fois qu'elle descend au plus bas, je vais mettre demi tasse d'huile d'olive là-dedans. Pas oublier que recette m'a faire c'est un gâteau de peau banane aux fruits renversés. Qu'on a venu avec demi tasse de jus de fruits moi mettez là-dedans. Mais moi même c'est jus ananas mettez. Ou bien on va mettre jus d'orange, ou bien on va mettre jus de raisin. Quand on est là, on va le brasser jusqu'à ce qu'il finisse. Quand on est certain pour banane bien écrasé, quand on est là, on va conserver, on va quitter le côté là. Pour la recette que je vais faire, recette de base, c'est 2 tasses de peau banane blendée ou gragée. Et puis avec 6 jaunes œufs et 6 blancs œufs. Même blancs œufs, qu'on a là, je prends blancs œufs. Pour recette, là, tout m'a besoin d'une tasse et demi de sucre blanc. Qu'on a là, je vais faire une meringue. Qu'on a là, nous allons commencer meringue là. Je vais monter la neige un peu avant qu'il mette le sucre là. Pendant que blancs œufs a commencé à monter, je vais diviser tasse et demi de sucre ça en 3 fois. Mettez demi-tasse. Moi mettez deuxième couche là encore. Pour finir, mettez troisième l'autre demi-tasse là. Moi finis avec mes rangs, moi dépose là. Ça c'est jaune de moi. Qu'on a là, regarde ça me fait. Moi, je fais un petit crasé. Moi, je fais un petit crasé. Qu'on a là, nous allons voir les ingrédients. Moi, je mets dans le jaune de l'œuf. Moi, je mets une petite cuillère de sel là-dedans. Moi, je mets une cuillère de cannelle là-dedans. Une cuillère de muscade là-dedans. Qu'on a dans le jaune de l'œuf, ça. Si toutefois, vous gragez pour banane avec main, à ce moment-là, vous mettez jus de fruits là-dedans. Et pour mettre l'huile là et pour brasser. Moi je viens avec pour banane, moi vidé dans jaune œuf mélangé. Quand une fois que moi mettez pour banane moi qui était gragé, moi viens avec spatule moi qu'on a là moi pour soulever. Ça veut dire qu'on a pour montrer jaune œuf en dedans bien mélangé avec tout parfum. Une fois que je mette tout parfait, bien soulevé comme ça, qu'on a là, je viens avec une tasse et demi de farine. Je vais mettre graduellement, mettez en moitié. Dans le reste moitié qui était là, je viens avec 4 cuillères de poudre d'élévation, je mette là-dedans. Ça, c'est le même que la dernière couche là. Qu'on a là, je vais le soulever. Pendant que je vais soulever comme ça, je vais faire ça là-même. Je viens avec un quart de tasse. D'essence vanille, moi déposer là-dedans. En même temps, dernier petit coup de farine qui gagne poudre à pâte là-dedans,
moi tout déposé là-dedans. Qu'on a là, moi je soulevé le pareil. Dans même pas là, qu'on a regardé qui ça m'a fait. Ça me fait, ben il prend lui, moi pour le vider la meringue. Et qu'on y a encore, moi pour le faire même mouvement encore, moi pour le soulever. Gâteau, on a toute bagarre là-dedans qu'on a là. Moi pour le préchauffer pour moi et puis m'a venir pour montrer nous dans qui genre nous va faire cuisson ça. Mais poil ça là, c'est la donne pour faire gâteau pour nous. Moi déposer poil là sur papier sulfurisé là. Qu'on a là, moi le tracer forme en bas chaudière ou bien poil là. Une fois que moi tracé lui, qu'on a là, moi va le couper on ça. Pour montrer nous toute technique là, ou si on a qu'on a c'est lui même va le couper. Mais on a, m'a besoin mettre beurre en rien, moi déposer dans fond poil là, devine tout la gel. Et voilà. Pour monde ça lui-même. On dit encore avec même papier sulfurisé, mais papier sulfurisé on tient plus grand, dans qui ça me fait, moi plier les soit en deux ou en trois. Et qu'on y a la même vini avec ananas et puis avec un petit cerise pour mettre là-dedans et puis avec un petit sucre brun. Qu'on a pour me faire lui, moi dépose un petit sucre brun dans le fond. Ananas en bas, mbeteli en bas. Je fais mettre bien arrangé ananas en bas qu'on a là mettre tiré. Qu'on y a là une fois que moi mettez moi filmé de fuya qu'on a là moi vini gâteau moi déposer dans moule. On te mette four moi préchauffé déjà. Ça veut dire que t'en préchauffé déjà. On a mette l'enfou là 350 une fois chauffé et puis 45 minutes ça va être parfait et puis m'a sorti pour nous venir. Même venir avec là qu'on a nous pas juste mettre un couteau dans mi-temps pour nous voir s'il est prêt. C'est séché. C'est bien sec hein. Ça veut dire là c'est parfait. Moi retire papier qui beau côté là qui était en haut de là qui pivot. Et voilà. Waouh, mais belle, mais bon zèzèl, mais bon bagay, hein? Waouh, my God. Qu'on a mouité simplement pour me couper lui, c'est mollo, fais ça. Continuez à faire bouche à l'oreille, partagez la vidéo pour moi. C'était JFL, Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison de la Caillou. Merci, au revoir.